I be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien comme vous avez vu la première vidéo de dégustation. C'est la première fois que je fais la vidéo de dégustation sur ma table, de belle qualité, j'aime bien ma table. J'ai réuni pour commencer la vidéo ce que j'allais manger, etc. Tranquille. Alors aujourd'hui, pour commencer ma première vidéo sur ma table, ma table à manger, enfin, je cherche trop à compliquer les choses. Ma table à manger, c'est vrai que aussi pour vous dire, franchement, je tiens à remercier franchement la dernière vidéo que j'avais fait sur le tacos, franchement. Vous avez aimé, vous êtes nombreux à avoir liké, franchement, je suis choqué. Puisque franchement, il y a beaucoup eu de likes sur cette vidéo, c'est fantastique. Et je suis content parce que là, j'ai dépassé les 20 likes, je suis à peut-être 30 likes sur la vidéo de tacos que j'avais. Je ne sais pas si vous vous rappelez la vidéo de tacos là où j'étais en train de danser et tout. Quand j'arrive avec mon portable, je danse et tout. Je tiens à remercier tous les gens qui ont liké cette vidéo, franchement. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, je fais ma première vidéo de tacos dans mon show, dans mon logo. Je suis un peu excité comme d'habitude quand je parle, je ne sais pas quoi dire. Parce que quand je passe à ma caméra, des fois, je sais qu'il y a des gens qui me regardent là, dans ma caméra et je me dis, je sais pas, je suis perturbé des fois, ou peut-être c'est l'émotion des fois, je suis trop émotionnel, je suis trop content de faire une vidéo des fois, ça m'arrive. Bon, comme vous avez vu, je suis content aussi, c'est vrai qu'il y a eu la victoire de l'Olympique Lyonnais face à Marseille, c'était un match exceptionnel, c'est ça qui me rend heureux et tout, j'étais content, j'étais un peu trop excité, etc. Alors voilà, c'est pour ça que je suis content et aujourd'hui il y a beaucoup de choses négatives de ma part qui se passent bien. Chez moi, il y a beaucoup de choses qui se passent très bien, qui se passent comme je l'avais prévu, donc je suis content. Bon, ben, on va commencer la vidéo de... C'est pas tacos, voici, c'est McDonald's. Je suis allé à McDo, bon... C'était un peu difficile, puisque je suis allé à McDo, les gens, on appelle leur numéro et tout. Limite, les gens, ils se cachent, je sais pas ce qu'ils font. La femme de McDo m'a fait pitié, puisqu'elle demandait, elle disait, numéro C... 36, elle cherchait les gens ils se cachaient ou je sais pas, même pas s'ils disent là, ils s'installent là-bas, je sais pas, c'est bizarre, enfin bref. Après c'est venu mon numéro, c'était numéro CB, parce que moi j'ai fait carte B, enfin j'ai fait une CB, et du coup j'ai dit numéro CB 90, 91, un truc comme ça, voilà. Et puis du coup, ben, moi j'étais déjà là, j'ai pris ma commande tranquille et puis j'ai dit merci, bon courage madame, parce que je sais que c'est un travail très très dur. Puis voilà, donc voilà, j'ai pris ma commande et puis c'est McDo très simple. Aujourd'hui c'est la première vidéo de McDo dans mon nouveau logement et dans ma nouvelle table. Hein. Je suis content de manger dans cette table de bonne qualité. Puis voilà, pour vous dire, bon, j'ai pris des frites. Et comme vous, je sais pas si vous voyez d'ici, j'ai pris des frites. Bon, elle a été un peu chiche dans les frites, hein, il n'y a pas beaucoup de frites. Je ne sais pas s'ils sont tombés par terre ou je ne sais pas, mais ça a été très chiche. Bon, c'est la première vidéo de tacos. Je ne sais pas pourquoi, je dis toujours tacos. La première vidéo de McDo. Ce que j'aime bien, ce que vous avez vu, c'est des frites. Mais dedans, on voit, il y a des nuggets, voilà. C'est comme ça, c'est souvent comme ça McDo. Il mélange tout. Bon, après là c'est un peu froid, mais bon, ça va. J'ai pris la mayonnaise et tout, mais bon. Je mange comme ça, en fait. Parce que je mange un peu trop de gras, on me l'a dit souvent. Alors je mange un peu simple. Aujourd'hui c'est McDo, aujourd'hui c'est une journée McDo. Mais la première vidéo de tacos, ce sera bientôt. Je ferai une vidéo de tacos. Les frites sont bonnes, mais elles sont un peu froides, parce que c'était McDo, c'est pas à côté de chez moi, donc voilà, c'est pour ça que c'est froid, et puis voilà, bon, je mange un peu. Voilà, maintenant, on va passer à la dégustation de ce que j'ai acheté. Bon, j'ai pris un petit sandwich que je voulais goûter chez McDo, tranquille, de bonne qualité, hein, vraiment, la performance, comme qualité.
Bah alors c'est un poisson panier, je crois. Donc dès que je regarde, ouais, c'est ça que j'ai pris. Un espèce de poisson panier. Fantastique, franchement c'est très très bon. Regardez. Là franchement, c'est pas pour vous dire, mais ça va. Le poisson est bien, là c'est bien garni. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est bien garni. Je ne veux pas trop vous montrer parce que sinon ça va tomber. On voit bien le poisson panier, en fait, c'est une espèce de poisson panier avec les deux tomates, vous les voyez les deux tomates qui sont là, avec un peu de salade et la sauce. Magnifique, là c'est très bien. C'est un sandwich qui a été très bien fait, hein. Franchement il a été très bien fait. Regardez, un sandwich de bonne qualité que j'ai bien dégusté. Ah, la qualité est très très bonne. Là j'ai plus qu'à déguster et vous dire qu'est-ce que j'en pense de ce sandwich poisson panier. Voilà, ce sandwich est très 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 bon. En fait, ce sandwich c'est un filet fish au poisson panier, franchement très très bon. C'est une bonne qualité, hein. Franchement comment c'est bon, je peux pas vous dire. Franchement, je sais pas, je suis dépassé, mais c'est trop bon, ce sandwich est très très bon. Il y a la sauce qui dit bonjour à la salade, la tomate qui dit bonjour à la sauce. Alors, c'est fantastique. Comment c'est bon. Je me régale les amis, franchement je me régale. Franchement c'est ma première vidéo dans ma table de bonne qualité. Mais... Ah, je fais la vidéo tranquille, sans musique, sans trop excité, etc. Et franchement je suis content parce que la première vidéo, la dernière vidéo de tacos que j'avais fait, elle a fait un max de likes. Alors en fait je voudrais au moins dépasser la barre des 20 likes pour cette vidéo. Et puis dès qu'elle a dépassé la barre des 20 likes, on va dire 25 likes à cette vidéo de McDonald's, et je vous ferai la vidéo de tacos, la première vidéo de tacos ici dans mon nouveau univers de bonne qualité, quoi. Ah, je suis content. Et j'ai aussi à vous dire, à vous dire que il n'y a pas de paille. Regardez, il n'y a pas de paille dans ma boisson de bonne qualité. Allez, j'ai pris un Sprite tranquille. Un Sprite sans paille. C'est malheureux quand même de pas avoir de paille. Mais j'ai vu que y avait les pailles existaient toujours, puisqu'en fait les pailles sont en bois, en fait. Enfin en bois, c'est comme du carton, en fait, je veux dire. C'est des pailles en carton maintenant qui existent. Mais franchement, moi je dirais que franchement moi j'aime pas trop cette manière de boire. Bon, je vais essayer quand même. Regardez, je l'avais déjà fait avec ma soeur la dernière fois que je suis allé à McDo avec ma soeur. Et j'ai pas trop aimé, en fait. Hein. J'avais pas aimé leur système de comment on boit avec le petit trou. Je sais pas si vous voyez là. Je sais pas si vous voyez à peine qu'il y a le petit trou là. Et on boit comme ça, en fait. C'est assez simple, c'est bien, mais bon, moi j'aime pas trop. Ah, mais c'est bon. Mon Sprite, il est toujours aussi bon. Mais franchement, le McDo, magnifique. Vous avez vu, j'ai tous les produits qui est nécessaire. Excusez-moi, je n'arrête pas de roter. J'ai tous les produits qui est nécessaire pour moi. Mon maté qui est là, de bonne qualité. Il est toujours là, mon maté. Hein. Il y a toujours un maté. C'est ça qui fait que je suis motivé, je suis énergétique comme ça. Parce que j'ai bu un peu de maté avant de faire ma vidéo. Parce que comme j'ai travaillé aujourd'hui, j'étais un peu endormi. Donc le maté m'a un peu réveillé. Voilà quoi. Et puis voilà, mon sandwich, mes frites qui sont froides. Hein. Je précise que mes frites sont froides. Puisque le temps d'aller à McDo et de rentrer chez toi et tout, c'est normal qu'elles sont froides. C'est logique. Hein. Mais sinon, ils sont bonnes. Ce sont des frites de bonne qualité. Ah, c'est bien. Je sais pas s'il y a une nugget qui traîne par là. Il y en avait qu'une, hein, apparemment, de nugget. C'est magnifique. C'est des frites quand même de bonne qualité, hein, je tiens à vous le dire. Non, c'est bon, hein, franchement. McDo, tout le monde connaît McDo, hein, vous connaissez McDo. Hein. Mais je dis la vérité, quoi, McDo ne refait pas un taco, ça. Si on me dirait
de choisir entre McDo et tacos, je dirais tacos l'emporte largement, largement. Mais bon, ça fait du bien de manger un peu à McDo de temps en temps. Bon, ben, je vais finir ça là, tranquillement. Ce sandwich de bonne qualité. Et on se retrouve pour la glace, hein, parce que j'ai pris quand même une glace de bonne qualité. Les amis, bon, maintenant on est là. Comme vous avez vu, maintenant les amis, je passe au dessert, hein, parce que là j'ai mangé. Ce sandwich était magnifique. C'était un bon sandwich au filo chio. Je sais plus. Bon, c'est marqué dans la description. Hein. Filet à filoche au poisson. Et puis là, je suis en train de manger une glace de très bonne qualité. En fait, une glace que franchement, c'est la première fois que je mange cette glace. Je ne sais pas si je vais aimer, franchement. Je ne sais pas. Peut-être que je ne vais pas aimer, mais c'est bizarre. J'essaye quelque chose que je n'ai jamais essayé. Peut-être que je vais recracher dessous. Je vais tout recracher en direct. Hein. Peut-être que je vais balancer ce pot de glace. Hein. Enfin, vous allez me dire quand même, c'est l'hiver, David. Tu vas me dire... c'est l'hiver, pourquoi tu manges des glaces? C'est mieux en été. Quand tu as envie d'une glace, ça n'a pas d'heure ou quoi. Tu veux une glace, tu manges ta glace et tout. Là, je suis chez moi tranquille, posé, puis au calme. Je mange ma petite glace tranquille, quoi. De McDo, quoi. Bon, ben, c'est en fait la glace, comme vous avez vu dans la description, c'est une glace. Je pense que ça doit être marqué dedans la description, en bas de ma vidéo. C'est une glace à chamallow. C'est la première fois que je goûte une glace à chamallow. Je n'avais jamais goûté de glace à chamallow. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, bon, je vais changer un peu pour la toute première fois et je vais manger une glace à chamallow. Regardez, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans le pot. Attendez, je crois que je vais vous montrer de plus près parce que là, je suis un peu très loin pour vous montrer ça. Attends, ce qu'il y a dedans, des petits morceaux de chamallow. Après, je ne sais pas s'il y a du caramel, en fait. Hein. Je ne sais pas s'il y a du caramel dedans, mais il y a des morceaux de chamallow, comme vous voyez bien. Et puis peut-être qu'en dessous il doit y avoir du caramel, je veux tout vous dire, oui je pense qu'il y a... Ouais, bah, il y a du caramel, je vois le caramel qui est en train de sortir là, un peu sur le côté là, il y a du caramel. Et voilà, et ça c'est les petits morceaux de chamallow, vous les voyez. Des petits morceaux de chamallow de bonne qualité, regardez. C'est ce que je vais manger comme glace aujourd'hui. Voilà. Voilà mon dessert, ma glace de bonne qualité. Bon. Maintenant, je vais arrêter de discuter parce que moi je discute trop. Vous allez me dire, bon, je suis habitué, j'aime bien discuter, j'aime bien dire ce que je mange, etc. Quoi. Et puis voilà, je vais manger cette glace de chamallow. C'est vrai que la tête elle est un peu bizarre. Je vais goûter ça. C'est parti. Il faut bien que je goûte, voir ce que c'est. Alors, chamallow. C'est bizarre parce qu'on dirait que ça fait des petits bonbons, des tout petits bonbons. Qui font dans la bouche. Mais c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Avec le caramel, c'est pas mal. Je peux vous conseiller d'essayer de manger cette glace à chamallow. Je peux vous le conseiller. Vous allez à McDo et vous prenez la glace chamallow avec du caramel. Et vous rajoutez bien le caramel. Hein. Ça fait très bien, ça fait très bon et c'est très simple. Pas mal, franchement. J'avais jamais essayé glace chamallow avec le caramel, mais pas mal. C'est très 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 bon quoi. Magnifique. C'est trop bon, franchement. Ça passe parce que le chamallow en fait, ils font vite dans la bouche. Donc ça, c'est évident que c'est bon. Magnifique, je me régale franchement. C'est magnifique. Je mange pas tout en McDo, mais... Des fois, de temps en temps, changer. Magnifique. Parce que comme je mange souvent des pâtes et des trucs comme ça, quoi. Donc, voilà, je change un peu. C'est magnifique. Cette glace à chamallow est très, très bonne. Je vous la conseille, une glace à chamallow. Bon, ben, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Et je vous rappelle qu'à... Dès que cette vidéo-là que vous regardez dépasse les 25 pouces, oui, et bien éventuellement je ferai la vidéo de tacos. Dès que ça aura dépassé les 25 pouces, si ça ne dépasse pas les 25 pouces, et bien, il n'y aura pas de vidéo de tacos, ça c'est sûr. Ça c'est une vidéo, la première vidéo de dégustation dans ma table, de bonne qualité, chez moi. Donc voilà, ça se passe tranquille, au calme.
et je finis par ma glace. De bonne qualité, bien sûr. Vous allez me dire, il y en a qui disent toujours, à chaque fois que tu, dans tes vidéos, tu parles de la qualité, tu dis toujours de bonnes vidéos de qualité. Mais si tu aimes pas une vidéo, tu regardes pas, tu passes à autre chose, tu coupes, tu pars. Si tu n'aimes pas les vidéos, tu n'es pas obligé de regarder. Hein. Tu n'es pas obligé de regarder, il y a des vidéos mieux que les miennes. Hein. Puis voilà quoi. Et voilà, moi j'aime bien, c'est ma marque de fabrique, dire en bonne qualité, c'est ma marque. C'est dans mes vidéos, vous allez entendre souvent que je dise que tel truc est de bonne qualité. C'est ma marque de fabrique, c'est... Quand on dit la qualité, comme ça, on pensera à moi. Par exemple, on se dira, lui, quand on me regarde, il dit toujours telle chose de bonne qualité. Des fois, il y a des choses, c'est vraiment pas la qualité. Mais il y a des choses, vraiment, la plupart des choses que je dis, c'est de la qualité. Bon, ben, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Moi, je vais finir ma classe. Et prenez bien soin en vous. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo et partager si c'est possible. Et on se retrouve peut-être pour la prochaine vidéo de dégustation. Ou dès que vous aurez dépassé les 25 pouces, ça c'est sûr. Sinon, la prochaine vidéo, je ne vous dirai pas ça sera quoi. Salut les amis, prenez bien soin de vous. Salut, allez, je vous laisse, parce que moi, je vais finir de déguster ma vidéo de bonne qualité, ma glace de bonne qualité. Salut les amis. Ah, je suis bien. Every time she walk by, I can see in her eyes. Shawty be feeling my vibes. I be like, there she go.